Hello les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Moi ça va bien, merci. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, on est à côté de ma belle, ma petite chérie comme on dit toujours. C'est mon Honda VFR. Alors vous inquiétez pas, elle n'est pas en panne, c'est pas pour ça qu'on est là. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle valise diagnostique pour moto. Une valise de la marque OBD Star. Donc c'est distribué en France par OBD Star France. Et je les remercie déjà à l'avance parce que c'est eux qui ont pris contact avec moi et qui m'ont envoyé gracieusement cette tablette pour pouvoir faire le diagnostic des différents véhicules. Ici, nous sommes sur le modèle e-scan. Donc, c'est le modèle e-scan couleur black. Donc, on va regarder ensemble, on va faire un petit unboxing et on va regarder un petit peu les fonctionnalités de cette valise. Je vous avoue, je vais le découvrir en même temps que vous parce que je n'ai même pas encore eu l'occasion de l'essayer. Donc, voilà. Alors, si impromptuement vous tombez sur la chaîne, eh bien, vous n'hésitez pas, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, sur la petite cloche juste à côté pour être prévenu des vidéos à venir. Le petit pouce bleu qui sert toujours bien sûr, qui fait grandement plaisir, qui sert au référencement de la chaîne sur YouTube. Et vous gardez les vidéos dans votre PC ou vous les partagez avec des amis si vous en avez besoin par la suite ou même directement. Ça, c'est à votre convenance. Allez les amis, assez de blabla, on va y aller, on va regarder un petit peu qu'est-ce que cette tablette nous offre. Allez, c'est parti, go! Alors, on va commencer par la déballer. Donc, déjà, un beau petit emballage, une belle petite boîte avec pas mal de protection, bien emballé dans du bon mousse. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve notre tablette, ici. Vraiment qualitatif, là on ne peut pas dire autrement. C'est vraiment un produit de qualité, on le sent. C'est vraiment un produit de très haute qualité. Donc ici, il y a une fiche pour l'alimentation électrique, une entrée USB, la prise pour mettre le diagnostic, une autre entrée USB 2, USB universel, et un bouton power. Alors, on va prendre le câble. Donc ça, c'est un câble standard qu'il faut venir brancher à l'arrière de la tablette. Et après, selon le style, enfin plutôt le type de tablette que vous aurez acheté, cela conviendra pour différentes motos. Donc voilà, je raccorde mon câble comme ceci. Voilà. Ceci, c'est un petit adaptateur 220 volts que l'on va brancher directement. Hop. Voilà. On le met dessus. Voilà, la tablette s'allume. Et maintenant, on enlève le premier étage. Et ici, on retrouve pas mal de fiches. Alors, j'ai des cordons pour Kawasaki. Ici. J'ai encore ici pour Kawasaki. J'ai pour Yamaha. Donc 3 plus 4 plus 3. Donc ça, je suppose que c'est le nombre de pins, sans dire de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà. Kawasaki 4. Donc moins 4 plus 4. Et ici, Kawasaki moins 4 plus 6. Ici, j'ai un M002, donc ça sera sûrement pour faire un test batterie. Et ici, j'ai des adaptateurs qui ressemblent à des petits adaptateurs OBD comme pour les voitures et qui servent bien sûr pour les motos. Et donc, j'ai quoi? Comment est-ce que je les reconnais? Alors, j'ai un NO41 OBD6. Ah ben si, ici, Suzuki 6 ports.
et ici Honda 4 ports. Donc, à l'occurrence, c'est celui-ci qui va nous intéresser. Donc, on se retrouve avec la partie mâle qui va aller sur la fiche OBD de la moto et la partie OBD normale comme une valise OBD standard, quoi. Donc, vous voyez que déjà, eh bien, donc je répète, on a du Suzuki, on a de l'OBD 6, on a un Honda 4 pôles, du Kawa, Yamaha, et ceci pour la batterie qu'on va faire après. Donc ça, je le garde après. Donc voilà, bon, je garde la tablette comme ceci et je mets le reste de côté. Alors, en attendant, ma petite fiche OBD, la voilà ici. Donc ça, on la tire. Hop, voilà. Alors, on la déclipse de son logement. Tic, on lui tire son petit capuchon. Voilà. On vient mettre au bout de notre câble, notre adaptateur ici OBD, voilà, et je viens le clipser dessus. Voilà, là vous avez déjà pu entendre que même sans mettre la tension, j'ai la valve de l'ouverture de valve qui s'est ouverte. Alors ici, il me demande de lire un petit peu tout le système pour agréer, donc j'agrée. Donc, vous voyez que j'ai même pas encore, elle n'est même pas encore configurée, puisque je n'ai même pas encore mis les langues ni quoi que ce soit. Donc, on va aller voir. On sort de là. On est sous une sorte d'Android ou de Windows, quelque chose comme ça. Donc, je prends Appli. Voilà. Je prends Paramètres. On sait faire une connexion Wi-Fi, une connexion Bluetooth. Donc ça, ce sera pour les mises à jour, je suppose, les stockages, les batteries. Donc ici, je suis déjà en français dans le Windows. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc je retourne et je vais relancer mon programme qui s'appelle Diag Programme. Voilà. Alors, je vois ici qu'il y a déjà un petit icône IMO. Donc ça, c'est pour faire décodage de clés. Donc, vous voyez un petit icône IMO. Ce que je vais faire, je vais vous rapprocher, vous verrez quand même un petit peu mieux. Parce que là, vous êtes un petit peu loin, à mon avis. Donc, je vais déposer la tablette là. Je coupe et je vous rapproche tout de suite. Voilà. Donc, comme ça, on verra déjà un petit peu mieux. Qu'est-ce qu'on dit ? Donc, ça, c'est le fil. Hop, voilà. Donc, ici, on a un icône IMO. Donc, ça, en fait, c'est pour faire du codage de clés. Honda, Kawa, Suzuki, Yamaha. Voilà, c'est pour vous faire du codage de clés. Bon, ici, en l'occurrence, c'est pas ce que je vais faire, donc moi, ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Donc, on va ici, on a Moto Diag, donc on clique sur Moto Diag, on clique sur Honda, voilà, ici, version 31.6, OK, il l'initialise, il va sûrement me dire qu'il faut mettre le contact, parce que là, le contact n'est pas mis. Voilà. Alors, il me dit diagnostic, autoscan. Donc, soit manuel détection ou autoscan. Prenez autoscan, c'est plus simple. Alors, use MD015 diagnostic connecteur. Donc, ça, il doit sûrement être marqué dessus. Voilà, N015A. Donc, c'est bien ça. Donc, M015A, voilà, M015A diagnostic connector, c'est celui-là. Voilà. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai plein de choses, j'ai engine, j'ai électrique traction, j'ai ABS VSA, j'ai Bosch ABS, BMU, et peut-être même encore certaines choses plus bas. Donc, on va prendre engine, je ne sais pas exactement comment on lance le diag, scan ECU, scan DCT, voilà, scan DCT, tac, 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 ah oui, là, il check, hein. Ah oui, d'accord, là, ça check quand même pas mal, hein. Là, je suis déjà à 29 scans, alors, j'ai tout dans le vert, donc je n'ai aucun souci nulle part, hein. Donc, ECU information, mon DCT, pas de code défaut, voilà. Donc,
OK. Ici, c'est pour lire les data stream. Donc ça, c'est directement voir les data en live. Donc les valeurs au fur et à mesure que vous roulez. Hein. Donc ça, c'est quand le moteur sera en route, les températures, les voltages et tout, des différents endroits, des différents capteurs, pour vous savoir, même à la rigueur, mettre ça en mémoire et après les étudier à votre aise, pour voir si vous n'avez pas un problème quelque part. Donc là, vous aurez tout le temps d'y regarder. Hein. Alors, on change, on revient. Back, voilà. Des fonctions spéciales pour faire des resets de l'ECM, donc remettre en mode usine, je suppose. Et quick check. Ici, ben voilà, en fait, c'est pour vérifier les tours minutes du moteur, les degrés d'inclinaison et les codes défauts que ça peut générer. Donc ça, c'est moteur en route. Donc c'est pas le cas pour l'instant. Donc on est quand même dans une partie qui est quand même pas mal technique ici. Alors, on sort de ça. Voilà. Alors, DCT, mais c'est la même chose. On a aussi des fonctions Dynamic Bench Test, Clutch Reinitializing Learning, donc pour réinitialiser la boîte automatique. Et pour solliciter le solénoïde 1 et le solénoïde 2. Donc ce sont les deux solénoïdes qui servent au changement des vitesses. Donc à partir d'ici, on sait les faire fonctionner soi-même pour voir si ben, ils fonctionnent bien en fait. Alors, électrique traction, ça, je ne sais pas trop de quoi ça veut dire. Alors, ignition switch, turn on, donc tourner la clé sur on. Si j'arrive à la mettre déjà dedans, ça devient pas mal. Voilà. Ce que vous entendez, c'est mon alarme qui s'enlève. Alors, mainline is connected, battery explorer equipped. OK. Voilà. Alors, il me fait un check. Et il dit quoi? Communication error, make quelque chose, follow me condition. Donc, ignition switch, oui. Mainline connected, oui. Battery explorer, oui. Équipement, système. Oui, il faut voir si le système en est équipé. Et c'est quoi qui me parlait? Électrique traction. Mais non, évidemment, j'ai pas de traction électrique, donc il n'y aurait rien à me tester là-dessus. Alors, l'ABS. Alors, il me met une croix, ça veut dire que c'est pas ce modèle-là. En fait, il fait des checks des modules dont il arrive bien sûr à avoir les informations. Ce, vous voyez qu'il y a une croix juste à côté, ben, ça veut dire qu'en fait, c'est pas le module qui correspond à votre machine. Donc, c'est logique que là, il n'y ait rien. Voilà, parce qu'ici, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, mais je n'ai pas accès à ces modules-là. Donc, si je peux faire un scan de l'ECU. Voilà, et donc en fait j'ai l'engine et le DTC. Donc j'ai la boîte auto et le moteur où là je sais tout vérifier. Donc si je reprends mon engine, eh bien je vais la mettre en route et on va prendre les stream data. Voilà. Donc si je prends tout, disons, voilà, je tape OK. Et voilà, j'ai toutes mes valeurs. Donc mes tours minutes, mes sensors, les tensions de sensors à ECT, la température, les différents voltages des différents sensors, le voltage sensor map. Vous voyez que c'est assez complet, hein. Il y a quand même vraiment pas mal de données qu'on sait récupérer. Hein. Les sondes, allez, aidez-moi,
les sondes lambda, voilà, avec le voltage attribué aux sondes lambda, les trimmers pour les fuels, bon, pour l'alimentation en carburant, la tension de batterie, les injecteurs, mon avance à l'allumage, la position du signal Arvracam. Qu'est-ce que j'ai encore? EOP, ça je ne sais pas trop ce que c'est. À mon avis, ça devait être un capteur d'oxygène. Ah, mais il y a une petite touche info en plus. Si je sélectionne ça et que je prends diagramme. Ah ouais, d'accord. Donc, je vais même avoir les infos par diagramme ou par système sensor, comme ceci. Ouais, c'est pas mal. Je sais les enregistrer, mon record, et je sais revenir à ma liste normale. Voilà. Ouais, c'est une valise très complexe, à mon avis. Enfin, pas complexe, mais surtout complète. On sait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec. Alors, ici, voilà, ici vous savez en fait mettre en route différentes choses. Par exemple, fan control, ce sont les ventilateurs. Si vous cliquez là-dessus et que je mets OK, ils devraient pouvoir, donc là, ils sont en off. Ou alors c'est l'état. Ouais, non, c'est son état qui me donne. Je ne pense pas le pouvoir changer, je ne suis pas dans ce menu-là. Il me donne l'état de ce que j'ai choisi en fait. Oui. Donc si je prends All, voilà, et que je mets OK, voilà. Donc les ventilateurs sont éteints, les sondes lambda sont toutes les deux allumées, Engine Start Inhibitor c'est allumé, la pompe à essence elle est en fonction, les solénoïdes sont éteints bien sûr puisque les vitesses ne passent pas. Et le statut moteur est, enfin le statut, le comment, le témoin erreur moteur est éteint. Donc tout ça c'est bien juste. Alors fonction spéciale, non, ça sert pour faire un reset de mon ECM. Voilà, de nouveau ici mes tours minutes. ECT, EOT, 73 degrés, ça je ne sais pas trop ce que c'est, faudrait que je m'en informe. Faudrait que je vois, parce que je connais pas tout, hein, je vous dis franchement, et en plus, je viens de l'allumer, donc je suis comme vous, je découvre. Bon, là j'ai déjà été, pas de code défaut du tout, c'est quand même malheureux venant de moi. Et ça, c'est le numéro du soft qui se trouve dans mon ECU. Si jamais je veux le sauvegarder, faire une carto, réinjecter une nouvelle carto et remettre celui-là si jamais ça merdouille. Voilà. Et alors ici, sur la boîte auto, ben là, j'ai les infos aussi du soft de la boîte auto. J'ai pas de code défaut. Alors, qu'est-ce qui me donne comme info? Encore mes tours minutes. VSS kilomètre heure, ça c'est la vitesse enregistrée en roulant, on va dire comme ça. Le voltage d'un sensor TP, je ne sais pas trop ce que c'est. Le sensor d'angle. Il est en position 1 degré, donc il est quasiment droit. J'ai encore des autres sensors ici, TCP, EOPT. Enfin, ça, c'est un petit peu à regarder dans le mode d'emploi parce qu'il y a tellement, tellement de choses. PCM Power Voltage, PCM Sub Power Voltage, Shift Control Motor Powering Voltage. Vous voyez, donc il y a beaucoup d'infos que l'on sait retrouver. Ma pression d'huile, la valeur de mes solénoïdes, la pression d'huile qui est sur les systèmes de transmission DCT,
Ah ouais, non, c'est vraiment... Il y a énormément de données que l'on peut s'amuser à aller vérifier. C'est hyper complet, les amis, mais hyper complet. Là, chapeau, en tout cas. Ouais, non, j'ai rien sélectionné, c'est sûr que là, ça va pas le faire. Voilà, hop, ok. NO2, c'est mes sondes lambda. Le shift, ça c'est pour moi passer ma vitesse, il est en mode off. Donc shift control, il est en mode stop puisqu'il n'est pas mis. Brake switch, ça c'est le frein à main, je suppose. Il est en mode off. C'est ça ou c'est l'autre? Ouais, voilà, c'est l'autre, c'est le frein. Voilà, on off. C'est pour tester les contacteurs de frein. Main Swift, Shift Control, Starter Inhibiteur, Neutral Switch, Clutch Initializing, Dynamic Bench, Target Gear Position. Ah, et franchement, c'est vraiment pour les personnes qui aiment bien les technicités. Là, franchement, on peut se marrer hein, parce qu'il y a vraiment quand même pas mal de choses. Hein. Dynamic Bench Test. Presenter to enter to skin. Every driver to vehicle, yes. Alors, please press start after confirming the following condition. Vehicle speed 0 km/h, oui. Secure to front well, oui. Rear well speed 0, oui. Engine is a idle state, oui. Start. Presenter button, you have confirmed display to gear position segment. Je ne sais pas trop ce que ça risque de faire. Je ne vais pas commencer à programmer des choses avant que je sache c'est quoi. Alors, ici, on est dans les parties. Dans les parties de boîte de vitesse. Et ici, dans mes solénoïdes. J'ai pas trop envie d'appuyer sur Enter non plus parce que s'il enclenche une vitesse, la moto est partie. Ben, vous voyez, c'est quand même vachement costaud comme info. Hein. Là, franchement, chapeau parce que je pense pas avoir déjà vu une valise qui donne vraiment autant d'infos que l'on puisse utiliser. Parce que là, on est quand même sur beaucoup de choses. Alors, help data. Ah ben voilà. Ici, en fait, vous avez toute une librairie, je suppose, qui va vous donner les équivalences de ce que vous allez voir comme valeur. Donc, en fait, ce que vous allez voir comme valeur, vous ne savez pas ce que c'est. Ben, vous cherchez ici dedans. Voilà. Ici. Et vous allez avoir tous les renseignements de ce que vous cherchez. Aussi bien pour les motos. Les types de motos. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Je ressors. Si je prends OBD2, ça c'est un mode check tout à fait normal. Voilà, ouais, je prends autoscan. Et il va me faire un scan normal pour voir si j'ai simplement des défauts moteurs. Comme exactement comme sur les valises voitures quoi, en fait hein. il lance différents protocoles pour voir les protocoles que vos calculateurs utilisent et il va vous dire s'il y a un défaut moteur, si le témoin 1000 est allumé ou pas. Ici je sais bien que c'est pas le cas, donc on va le laisser travailler, voir un petit peu ce qu'il en est. Après je vais l'éteindre parce que comme ça on s'entendra un petit peu mieux. Mais franchement, tout ce que je peux déjà vous dire, c'est que point de vue qualitatif, il n'y a pas photo. C'est une valise qui est très très qualitative. On sent très très bien que c'est pas de la gnognotte, que c'est un produit bien fini. Les câblages, c'est la même chose. C'est des câblages de qualité. Les fiches, c'est des fiches de qualité. Le soft, vous voyez comme moi, c'est un soft relativement complet avec des mises à jour par Wi-Fi ou par Bluetooth. Ou par USB également. Donc je pense que vous savez même aller chercher le soft, le mettre en clé USB ici et le faire rentrer dedans.
voire même aussi mettre une clé USB ici et enregistrer tous les datas dans votre clé USB. Donc ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Alors, je vais l'éteindre, on entendra déjà mieux. Donc voilà, comme je disais. Donc cette valise-ci, celle-ci, elle est spécialement conçue pour Honda. Oui, si j'appuie dessus, on ne le voit plus. Donc pour Honda, Kawasaki, Suzuki et Yamaha. Il y a d'autres valises selon d'autres marques. Donc ça, il faut vraiment aller voir sur le site de obdfrance.com et là, vous allez voir les valises selon ce que vous avez besoin. Profitez-en, pour l'instant, j'ai vu qu'il y avait pas mal de promos. Alors après, vous choisissez les câbles que vous avez besoin pour aller en fonction de vos valises. Mais il est bien évident que si vous choisissez une valise, je prends un exemple, hein, pour Triumph, ben, le câble Triumph va être équipé dans la boîte. C'est logique, ça coule de source. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, on va un petit peu essayer maintenant. Je vais couper deux secondes, je vais changer le câble et je vais mettre le câble pour le check batterie pour voir un petit peu qu'est-ce que ça dit. A tout de suite. Les amis, autant pour moi, c'est moi qui me gourre. Ce n'est pas un câble pour checker votre batterie, c'est simplement un câble. Regardez si je l'enlève. C'est simplement un câble qui vous fournit l'alimentation en prenant le plus et le moins sur votre batterie et qui sert en fait à la place de l'adaptateur 220 volts. Donc ça, c'est génial parce que vous savez même l'utiliser ben, en dehors de chez vous, en dehors du garage ou quoi que ce soit, simplement en le branchant sur la batterie. Donc comme c'est une valise moto, ben, vous avez toujours généralement à 94 sur 100 la prise OBD qui est juste à côté de la batterie. Donc ben, il suffit simplement de mettre ce petit câble là et pouf, vous savez directement avoir votre valise qui est opérationnelle. Donc c'est vraiment top quoi, vraiment top. Alors je vois qu'il y a un petit interrupteur également au-dessus. Donc si je fais ça, on revient dans le motodiag. Ah oui, bah c'est vrai qu'il y a encore d'autres choses aussi. Personal Center, ça je sais pas c'est quoi. C'est pour moi, tout simplement. C'est enregistré à mon nom avec mon login et mon mot de passe. Alors, data management, ça c'est pour aller chercher. Ah ben voilà ce que je disais. Pour aller chercher les data en valeur réelle. Local data. Donc c'est pour aller chercher toutes les choses que l'on va pouvoir brancher en périphérique de la tablette et pouvoir aller rechercher. Je prends un exemple. Sauvegarde d'un fichier de votre UCH moteur. Vous l'enregistrez, vous le sauvez. Vous modifiez la carto, vous le réinjectez et vous avez toujours l'original. Donc comme ça, vous ne perdez rien. Ça, c'est quand même pas mal. Alors, ici, on a ben, comme un Windows, en fait, on a un petit peu tout ce qui se passe dans la valise. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors, on s'est installé et désinstallé des logiciels. Si je mets Home, j'arrive sur la partie ben, comme un Windows. Hein. Donc ici, je prends Application. Et voilà, j'ai toutes mes petites applications. Vous voyez, galerie photo et tout, calculette, horloge, mes téléchargements. Alors, oui, ne pas oublier que quand on est ici, on a une touche Upgrade. Quand vous faites ceci, avec votre login et votre mot de passe, vous téléchargez soit en Wi-Fi ou soit en connexion pour mettre à jour toute votre tablette. Donc ça, c'est quelque chose de superbe aussi. Elle fonctionne également donc en Bluetooth. Vous savez envoyer vos données en Bluetooth. Donc moi je trouve que c'est quand même quelque chose de vraiment pas mal. Vraiment pas mal. Voilà, ici sur VCI, vous avez tout le paramétrage de votre soft. Donc langage. Ah ben voilà, on était toujours en anglais. Donc on va essayer de trouver s'il y a. Voilà, français. Donc vous voyez que je ne l'ai pas encore utilisé, c'est la preuve. Hein. Que je la mets seulement en français maintenant. Donc voilà. Donc maintenant, ben, je vais tout avoir. Voilà, ben, j'ai tout le blabla même ici qui est en français. Voilà, support, réglage. Tout est là, tout en, bien en un clic. Donc je vais continuer dans mon paramétrage. Alors les unités, donc elles sont en métrique. Donc ça, elles se mettent ben, dès que vous mettez le français. Alors information sur l'atelier, ça c'est selon les personnes
qui les utilise. Si vous êtes un professionnel, par exemple, ben, vous pouvez remplir tout ça. Et lorsque vous allez faire un check de la machine, ben, il va vous sortir une impression avec toutes vos caractéristiques, toutes vos coordonnées, et que vous pouvez remettre au client. Et test du réseau, ben ça c'est si vous avez un réseau Wi-Fi ou quoi que ce soit, vous testez votre connexion. Voilà. Alors, il y a différents réglages encore ici. Ben ça c'est les réglages de base, voilà, Wi-Fi, Bluetooth, les affichages, les stockages, les batteries, les applications, les localisations, les comptes, les sauvegardes. Pour mettre les dates, les heures, donc je vous dis c'est comme un Windows quasiment, donc c'est une tablette qui fonctionne quasiment à partir d'un Windows. D'ailleurs, si je prends à propos, qu'est-ce qu'il va me dire? Non, c'est un Android, voilà. Version Android 5.1.1. Ben, vous voyez que c'est un Android qui est relativement facile, parce que bon, il n'y a rien de compliqué. Hein. Quand vous cliquez ici, vous avez toutes les applis, vous cliquez sur votre appli ici, et hop, vous êtes directement dans le système, voilà. Donc mes données, DataStream, c'est exactement ce que je faisais tantôt, ça. Hein. Voilà. Et ici, si je fais support, voilà, j'ai même le manuel avec le mode d'emploi qui est intégré dans la tablette. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. Hein. Vraiment quand même pas mal. Et je pense que c'est relativement facile d'utilisation. Alors, maintenant, venons-en à quelque chose de crucial, le prix. Vous savez, comme moi, que les tablettes pour moto, ce sont des prix exorbitants. Ça tourne généralement entre 4 000 et 4 500 euros, et après, vous devez payer quasiment 125-175 euros le câble. Eh bien, ici, ce n'est pas du tout le cas. Pas du tout le cas, vous n'êtes pas dans des prix pareils, vous êtes dans des prix tout à fait abordables. Donc, pour le commun des mortels, comme moi, je vais dire, hein, et comme vous. Donc, si vous êtes désireux de pouvoir travailler autonome sur vos motos sans ne plus devoir avoir à passer chez un concessionnaire ou quoi que ce soit, il n'y a pas de souci avec une tablette comme ça. Il n'y a vraiment aucun souci. Vous savez faire tout ce que vous voulez. Vous savez faire les... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi les recettes d'entretien. Donc, quand vous faites l'entretien sur une moto, quand vous avez par exemple la clé ou quoi que ce soit qui s'allume et qui vous dit attention, entretien. J'ai quand même le déconnecté parce que là j'ai ma pompe à essence qui continue à tourner. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc quand vous avez les témoins d'entretien qui sont allumés lorsque vous êtes en période d'entretien et que malgré que vous avez fait l'entretien, ben, le témoin lui il restera toujours allumé jusqu'au moment où on fait un reset du système et qu'on lui dit ben voilà, il faut qu'il te rallume quand tu seras par exemple soit à un an ou soit à 15 000 km. Eh bien, avec une tablette comme ça, ça, vous savez le faire. Vous savez tout remettre à zéro. Donc, par exemple, changement de plaquette ou des trucs de genre, enfin, je ne sais pas trop ce qui peut allumer les témoins de maintenance, parce que maintenant, je vais dire, il y a tellement de choses électroniques sur les motos qu'on en arrive quasiment à la même chose que sur les voitures. Eh bien, avec ce style de tablette, on sait vraiment tout faire. Donc, voilà, les amis. J'espère que ça a pu vous aider. Vous avez vu que j'avais eu plusieurs demandes de personnes qui me demandaient s'il y avait des valises diagnostiques moto. Ah ben voilà la deuxième. La première, je l'avais déjà mis en démonstration, c'était une tablette qui venait de chez mon ami Sylvain. Donc ça, vous pouvez la retrouver aussi dans les vidéos. Et donc ici, je vais marquer donc en dessous de la vidéo, comme d'habitude, le lien où vous pouvez trouver cette tablette. Et donc, je rappelle, c'est une tablette qui vient de chez obdfrance.com. Je les salue grandement, je les remercie. Vous aussi, j'espère que le visionnage a été bon et que ça vous intéresse. Et donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Salut, salut !